Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment, dans l'agenda, on va pouvoir rajouter des pièces jointes ou des images à vos rendez-vous. Alors, ça se passe toujours dans la gaufre et on va sur l'agenda. À partir du moment où on est dans l'agenda, on va pouvoir mettre un rendez-vous comme d'habitude. Donc, par exemple, là, je vais prendre un rendez-vous le vendredi 17 de 10 à 11. Je sélectionne ma zone et j'ouvre. À partir d'ici, on a la molette et on peut descendre, ajouter, description ou pièces jointes. Et c'est ici qu'on va pouvoir ajouter rapidement soit les éléments récents, donc par exemple un formulaire que je viens de faire ou d'autres, un document Sheets. Donc on va prendre par exemple le document Sheets et le formulaire. Donc j'appuie sur la touche CTRL pour pouvoir en sélectionner deux en même temps. Et j'ai bien les pièces jointes qui sont ajoutées. Si je veux importer quelque chose qui vient de mon ordinateur, soit je glisse, dépose un fichier, soit j'ouvre à partir de mon dossier. Donc je peux mettre mes invités, je peux mettre un titre et j'enregistre. Les personnes qui recevront cette invitation, quand elles sont invitées, reçoivent aussi les pièces jointes et vous voyez, elles sont à disposition très simplement quand vous ouvrez votre invitation juste en cliquant dessus. C'est super pratique pour pouvoir avoir sous la main tous les documents en pré-réunion ou tous les documents du rendez-vous chez l'ergothérapeute si vous en avez un pour pouvoir avoir tous les bilans des autres. Vous mettez les pièces jointes dans votre rendez-vous et vous les avez à portée de main de façon systématique. Si on double-clique pour ouvrir en grand, on a aussi la possibilité de les avoir et de les ouvrir directement à partir de l'invitation. Plus besoin de se trimballer avec des liens dans les différents endroits. Voilà, c'était les petites astuces du jour. C'était Mélanie de la chaîne Le Monde Numérique de Mélanie. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous et à la prochaine fois. Bye bye.